Bonjour à tous. Prêt pour notre week-end à Mur de Bretagne? La puce est invitée le jour du départ. Et hop, le trajet va se faire à l'impossible. Impossible de renoncer, effectivement. Nous avions organisé ce bivouac depuis si longtemps avec nos amis. La région Centre-Bretagne est une zone pittoresque, située au cœur de la Bretagne, en France. Elle se caractérise par son paysage vallonné, ses forêts verdoyantes et ses charmants villages. L'un des joyaux de cette région est forcément Mur de Bretagne, une petite commune située dans les départements des Côtes-d'Armor. Mur de Bretagne est niché au bord du lac de Guerlédan, un lac artificiel créé par le barrage du même nom sur la rivière du Blavet. Le lac de Guerlédan est le plus grand lac de Bretagne et il offre une beauté naturelle exceptionnelle. Avec ses eaux cristallines, ses rives boisées et ses plages paisibles, le lac est un lieu idéal pour la baignade, la voile, la pêche et bien sûr la randonnée. La région Centre-Bretagne et Mur de Bretagne en particulier sont des destinations idéales pour les amoureux de la nature et la culture bretagne. Les paysages sont à couper le souffle et l'atmosphère y est paisible et authentique, faisant de cette région un endroit incontournable pour les voyageurs en quête de découverte. La veille, Thierry et Monique ont installé leur bivouac à l'Anse de Sordan, sous un ciel scintillant, mais la pluie était bien présente. Ils ont profité cependant des calmes de la berge pour une nuit mémorable en pleine nature. Nous arrivons pile à l'endroit où ils ont dormi. Bonjour Evelyne. Bonjour Evelyne. Salut Evelyne. T'as bien fait de pas venir, il pleut. Non, il pleut pas, non, c'est il pleut plus. Ça va être super. Et en plus, il y a le pastis. Nous en profitons pour faire un petit coucou à Evelyne sur WhatsApp. Elle n'a pas pu venir et elle est fort désolée, ma foi. Il est midi et nous décidons d'aller manger à l'abbaye de Bonrepos. La route vers l'abbaye serpente à travers la campagne bretonne, offrant des vues pittoresques sur les rivières et les forêts. L'abbaye elle-même se trouve dans un cadre paisible, entouré de verdure, invitant à la contemplation et à la tranquillité. À un an près, c'est un anniversaire, un bivouac que nous retrouvons à Mur de Bretagne. Effectivement, en septembre de l'année dernière, nous sommes venus ici pour la première fois avec le randocar. C'était une première, et ce, grâce à Thierry, qui m'a aidé sur beaucoup de domaines. Merci encore à toi. Les journées du patrimoine demain, t'as vu ? Avec le cuisson de pain... On essaiera, hein. C'est beau, hein. Mais il t'attend, je crois qu'il va tout droit. C'est le week-end du patrimoine, et en faisant un arrêt devant les forges des Salles, on se promet de revenir le lendemain pour visiter. Ça fait bien longtemps qu'on voulait le faire. L'abbaye de Bonrepos à Guerlédan. Un site historique situé en Bretagne. Fondée au XIIe siècle, elle est connue pour son architecture cistercienne remarquable et son emplacement paisible au bord du canal de Nantes-à-Brest. Aujourd'hui en ruine, l'abbaye offre un lieu de visite pittoresque et chargé d'histoire. Nous trouvons un lieu pour déjeuner tout près de l'abbaye et je m'extasie encore à chaque fois de faire des manœuvres avec le randocar. Tellement c'est facile.
L'air de camping-car de Beaurepos nous sert de halte pour le déjeuner. C'est très bien, on est juste à côté pour la balade des allées de l'Iscuisse. On va cependant se dépêcher. Le ciel est bien chargé, il ne pleut pas encore, mais je pense que la suite va être mémorable. C'est une petite balade paisible, le long d'un étroit sentier serpentant à travers une luxuriante végétation, révélant la beauté naturelle et la quiétude du lieu. C'est une région vraiment pittoresque. On pourrait croire que le décor n'a pas changé depuis des millénaires. J'adore venir ici. J'ai l'impression que le lieu me ressource, que les pierres offrent une possibilité de voyager dans le temps. Enfin bref, à chaque fois, c'est un émerveillement. C'est un émerveillement, c'est ça. Ouais, c'est beau comme prénom. Quoi ? Après, je vais pas vous faire manger ça, parce que je suis pas... En salade, non, non, mais... Mais je sais que... Je crois que ça se... Il faudrait faire... Il en porte pas, hein. T'as vu comment ces branches, elles sont proches les unes des autres, ouais. C'est impressionnant. Et ça y est, la pluie est bien là. Non, non, elle ne va pas nous gâcher la balade, mais certainement nous la compliquer. Mais bon, ça donne son charme à cette région vraiment pittoresque. On dirait même pas qu'il pleut, hein. Le point de vue culminant sur les crêtes est un endroit inoubliable. Je m'attends à chaque détour de virage, de petit sentier, de voir un homme de la préhistoire. Après un petit café bien mérité pour nous réchauffer, on va visiter l'abbaye de Beaurepos. Et si malgré la chemise d'été de Thierry, il paraît ne pas faire froid, je peux vous assurer du contraire. Chaque fois que je viens ici, j'ai toujours l'impression que ces lieux sont empreints de magie et de sérénité. Ça fait un bien fou. Un peu plus loin, on retrouve notre lieu de bivouac préféré, à quelques centaines de mètres seulement du lac.
Le ciel est encore couvert, mais je décide de sortir mon réchaud à bois. C'est une première, je l'utilise pour cuire notre poulet et notre petite saucisse pour le repas du soir. Pendant qu'on refait le monde avec Thierry et qu'on boit du chou chêne, la nuit s'installe doucement et bientôt on va voir un ciel fort étoilé. C'est magnifique. Levé avant tout le monde, au petit matin, j'en profite pour aller prendre quelques prises de vue face au lac. La brume se lève doucement, il y a des fumerolles de chaleur encore qui s'élèvent dans le ciel. Et j'attends que tout le monde se lève justement pour prendre un bon petit déjeuner. Le soleil se lève enfin et ça laisse présager d'une très très belle journée. La météo nous avait menti. Après un bon petit déjeuner, j'emmène tout le monde faire une balade au bord du lac. Une petite balade bien particulière. À Vannes, le Jack Russell de Thierry et Monique s'est jeté à l'eau. Il est infatigable, insatiable ce petit chien, mais il est formidable. J'en profite ici pour lancer un appel aux randocaristes, à tous ceux qui voudront bien prendre le temps de partager et de laisser des commentaires pour les prochaines fois, on sait jamais, des idées de bivouac, de randonnée. Donc n'hésitez pas à nous contacter, vous avez l'adresse, vous avez le mail, hein. On aimerait tous former une grande communauté. Comme promis la veille, nous décidons juste après la balade d'aller visiter les forges des Salles. Donc on va peut-être manger avant, mais on va se poser tranquillement. Faites une tour par le côté.
bâtiment. Ça, c'est la chapelle. Alors, la chapelle, je vais vous la montrer de loin. La plus haute.